J'ai aimé vraiment le spectacle. J'ai revenu un petit peu dans l'histoire des femmes par le passé puis à venir jusqu'à aujourd'hui. Grandement apprécié. Chaque fois qu'il y avait comme une chanson, ben j'aime ça. Là. J'avais des petits frissons. Quand il laisse traîner ses bas, exige son repas, ma tasse devient mauve. On fera tout ce qu'on veut, mais pas de bébé. Do you, juste French egg? Pourquoi c'est ça ma vie? Faire des bébés pis l'épicerie. L'aspect vraiment militant, toujours dans le sens du plaisir, c'est vraiment marquant. Ça donne vraiment envie de danser là, tout le long du spectacle. Un mélange de gags acidulés qui fait à la fois réfléchir et qui fait rire jaune des fois. Fémini. Ni c'est nier qui on est, on veut plutôt aller dans l'affirmation. Ouais, c'est ça. On veut pas vivre dans le déni, déni Coderre. Déni Lévesque. Joël Denis. Qui ça? Que du plaisir, du bon engagé, il y en a pas assez, j'ai adoré. Aux gens de gens qui ont peur des féministes. C'est à qui que tu dis que t'es féministe, puis ce qui part dans leur tête, c'est ça. On va vous conter des histoires de feu! Elles sont avec le public et avec nous. Je pourrais continuer hein, de vous faire la liste de tout ce qui a sacré le camp. Ça va-tu? Êtes-vous collé? Une énergie et de la bonne humeur. C'est vrai que ça nous fait décomplexer de toutes les petites choses qu'on pense importantes au quotidien. Et en fait, on s'en calisse. Chante le fort avec moi, écris sur tous les toits. Elles sont calisses. J'ai adoré ça. Vraiment, bravo les filles. J'ai trouvé ça génial. Tellement mémorable, pour vrai, il n'y a pas d'autre mot. Très, très, très bon show, super intéressant, et puis c'est très drôle aussi, je recommande fortement. Je suis tellement fière de ces trois femmes-là. Quel beau show, j'ai adoré. Merci de m'avoir invitée à aider avec la mise en scène. Aïe, aïe, que je suis contente.